Au cours des 20 dernières années, nous sommes entrés dans l'ère des réseaux. Celle-ci repose sur les réseaux numériques tels qu'Internet et les médias sociaux, mais aussi sur les réseaux physiques du monde réel. Tous ces réseaux permettent de rapprocher les pays, les entreprises et les personnes à travers le monde. FedEx is a pioneer of the network age. We were the organization that created the hub and spoke concept. That's enabled us to become the world's largest express logistics company, including 10 international hub facilities that we carefully and strategically place around the world, including 3 of those here in Europe. This is really the next stage to make an investment into our facility in Paris Charles de Gaulle to create one of the most modern express facilities anywhere in our business. Avec 12 millions de colis par jour, FedEx est l'une des matérialisations des réseaux dans la vie réelle. Nos 400 000 collaborateurs, 100 000 véhicules et 650 avions cargo permettent aux grandes et petites entreprises d'accéder aux marchés mondiaux. More and more French and European companies are doing business with other parts of the world now. That's how small businesses are able to connect their products to customers in other parts of the globe. That's really what economies are about now, trying to connect to each other. And most economies, you know, depend on the ability to do business with other marketplaces. FedEx et la France sont intimement liés depuis les débuts de l'entreprise. La France a joué un rôle clé dans l'expansion de ce qui était au départ une start-up naissante. La première flotte d'avions cargo de Federal Express était entièrement composée de Jet Falcon, construit par le constructeur aéronautique français Dassault Aviation. Depuis 1999, le hub européen de FedEx est situé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, d'où l'entreprise dessert 220 pays et territoires. Aujourd'hui, 4500 collaborateurs travaillent pour FedEx en France. Dès le début, l'objectif a été de répondre à la forte croissance de la demande de transport express en Europe et faire de Paris notre principale porte d'entrée sur le continent. Ce choix a porté ses fruits. Aujourd'hui, Paris Charles de Gaulle est le plus grand hub de FedEx en dehors des États-Unis. Il emploie près de 2500 personnes qui traitent 1200 tonnes de marchandises par jour et gère 300 décollages et atterrissages chaque semaine. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous prévoyons une extension majeure à Paris Charles de Gaulle. On me demande souvent, mais pourquoi FedEx investit à Paris Charles de Gaulle ? La réponse est simple. Nous y avons des collaborateurs engagés et la plateforme aéroportuaire de CDG offre des opportunités majeures. Un bassin d'emploi dynamique pour nos recrutements futurs, des infrastructures de qualité et la proximité de la grande région économique d'Île-de-France. L'ampleur du projet et les technologies innovantes marquent une étape très importante dans le développement de l'entreprise. L'extension de notre hub européen de Paris Charles de Gaulle va permettre d'en faire l'un des hubs les plus modernes au monde. Notre nouveau bâtiment sera construit en conformité avec des standards environnementaux élevés. Il sera opérationnel d'ici 2019. Il sera équipé de technologies de pointe, conçues pour augmenter les capacités du hub. Le hub européen de CDG sera plus efficace pour nos clients. En plus de l'augmentation de la capacité de tri, nous portons une attention particulière à l'ergonomie des postes de travail. Celle-ci, combinée au développement d'un nouveau système d'information, va améliorer la qualité de service rendue à nos clients et en même temps contribuer à créer un environnement de travail plus favorable pour les salariés. Tout le monde y gagne. That's why CDG is so important. It's absolutely key for us to modernize our facility, provide the capacity to grow and serve our customer needs, and help our customers in turn have access to opportunities right around the world.